Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du 5 février 2024. Donc au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, nous avons un retrait qui est le 11.6, aucun ajout. Oui, pardon, j'ai un ajout qui est le 16.1, merci Maître Murray. Donc c'est suspension sans solde d'un employé col bleu. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Filiatro, et pour appuyer? Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc, au 3.1, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C4 commerce personnel professionnel dans la zone C4-410. Donc, pour les nouveaux dans la salle, vous voyez, on l'a ici à l'écran et les gens à la maison ont également la carte à la maison. Donc, le projet d'un règlement a pour but de permettre les services professionnels et personnels dans la zone CA-410. Cette modification fait suite à une demande de M. Martin Deschambault et une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je l'avais mentionné lors de la dernière séance également, on vient régulariser parce qu'on le sait qu'il va y avoir des commerces de ce type dans la zone complète. Donc, au lieu d'y aller cas par cas, bien, on le fait pour la zone au complet. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage C10, commerce de récréation intérieure, mais uniquement divertissement, dans la zone CA-202. Donc ici, c'est afin de permettre les chansonniers durant la période du marché aux puces, donc c'est pour l'encan uniquement, donc permettre d'avoir chansonnier lors des heures d'opération. Et ça fait suite à une demande de M. Weldon, et j'ai également une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.3, amendement du plan d'urbanisme révisé numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Donc, je l'avais dit lors de la dernière séance, c'est suite à l'adoption de, en fait, c'est la nouvelle loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On doit assurer une concordance avec le schéma d'aménagement de la MRC d'Argenteuil sur plusieurs points. Sinon, la MRC d'Argenteuil ne peut plus émettre de certificat de conformité lors des demandes de dérogation locales. Donc, c'est pourquoi qu'on a plusieurs points. Vous allez voir le 3.3, 3.4 et 3.5, je crois, c'est en lien avec la révision de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, pour le point 3.3, ici spécifiquement, le projet de règlement a pour but de, en fait, c'est ajouter l'inventaire des cimetières de la ville de la Chute et réviser les secteurs à fort potentiel historique et patrimonial. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.4, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Donc ici, le projet de règlement vise à permettre, sous certaines conditions, les panneaux publicitaires, modifier les dispositions de l'aire tampon de l'article 6.3.1, et remplacer la carte des aires d'alimentation et périmètres de protection bactériologique et virologique, vous m'avez testé avec ces mots-là, des puits. Et l'ensemble de la ville est visé par le projet de règlement. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.5, amendement du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale 2013-742, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Alors ici, le projet de règlement vise à ajouter les immeubles du 425, 450 et 451 de la rue Grasse au PIA-004, ajouter l'immeuble du 180 rue Hamford au PIA-017, ajouter l'immeuble du 43 avenue de la Providence au PIA-018, et finalement ajouter le PIA-029 panneaux publicitaires. Et encore une fois, l'ensemble de la ville est visé par le projet de règlement. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.6, c'est les demandes de dérogation mineure. Donc, 3.6.1,
pour le lot 6 574 612, situé sur la rue Lafleur dans la zone CV-320. Donc ici, c'est afin de permettre l'utilisation de conteneurs sur roues à chargement avant au lieu de conteneurs semi-enfouis à chargement avant, afin de permettre de réduire la capacité des conteneurs à déchets et à recyclage à 3 verges au lieu de 8 verges, tel qu'exigé par le règlement de zonage. Le compactage des matières sera utilisé et afin de permettre que ces conteneurs soient entreposés à l'intérieur de l'immeuble au lieu qu'à l'extérieur, tel que convenu par le règlement. J'ai une recommandation favorable du CCU. Et ici, il y avait, ça dure depuis plusieurs mois, on l'a déjà mentionné, on a eu des questions aussi. Il y avait un enjeu au niveau de la gestion des matières résiduelles et des déchets. Les changements apportés aujourd'hui dans la dérogation viennent corriger ces enjeux-là. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.6.2 pour le lot 2 624 258, situé sur le boulevard de l'Aéroparc dans la zone HA-212. Donc ici, c'est afin de permettre l'implantation d'un bâtiment unifamilial ayant une marge avant de 8,24 mètres, alors que le règlement prévoit une marge avant maximale de 7,50 mètres. Le plan d'urbanisme ici ne prévoit rien à cet effet. Une dérogation mineure a déjà été autorisée pour un immeuble voisin et j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Ce qui met fin aux consultations. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du conseil tenue au cours du mois de janvier. Donc 4.1, c'est la séance ordinaire du 15 janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur pour la résolution? Je vais faire la proposition. Monsieur David, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, nous n'avons aucun point. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, Monsieur Lajoie, pour les loisirs. Oui, merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, pour la période d'information et de questions pour les activités de loisirs du mois de février, quelques points. Donc, première des choses, la période d'inscription au camp de jour de la relâche de la Ville de la Chute a été prolongée jusqu'au 9 février prochain. Le camp de jour, évidemment, est pour les 4 à 12 ans, résidents de la Chute ou de la municipalité du canton de Gore. Les inscriptions sont en ligne sur Sport Plus et le camp de jour se tiendra du 4 au 8 mars à la polyvalente Lavigne. Pour les tarifs, évidemment, vous devez consulter soit le site web de la Ville de la Chute ou communiquer avec le service des loisirs de la Ville de la Chute. Le samedi 17 février, c'est au parc Mali. Vous allez avoir plaisir d'hiver, défi château de neige. Donc, l'entrée est libre, l'activité est gratuite. Et nous serons, si tout va bien, tous présents pour aller faire des châteaux de neige avec les citoyens, jeunes et moins jeunes. Le samedi 24 février, l'atelier Lettres attachées avec Louis-Jean Cormier à 14h à la salle du conseil, donc ici même. C'est pour les 16 ans et plus. L'inscription est gratuite en ligne sur Sport Plus. Le vendredi 1er mars, plaisir d'hiver, c'est la marche au flambeau. Vous savez, ça fait déjà quelques années que nous faisons cette activité-là qui est très, très populaire auprès des citoyens. Donc, ça se déroulera au Sentier du Golfe à la Chute. L'entrée est gratuite et c'est de 18h à 21h. Et finalement, pour les activités culturelles, donc vous avez la séance de peinture tous les mardis. Ici même à la salle du conseil, vous avez le 7 février, l'heure du conte avec Mademoiselle Julie. 9 et 23 février, éveil à la lecture, toujours avec Mademoiselle Julie. Et le 14 février, tricot et jasette avec les dames du sec des fermières. C'est à 13h à la bibliothèque pour les 16 ans et plus. Et vous allez avoir toute l'information sur le site web de la Ville de la Chute ou sur la page Facebook de la Ville de la Chute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense qu'on peut mentionner, vous savez, dans les années antérieures, on avait souvent une grande activité hivernale. Cette année, le comité des loisirs a décidé de faire 3 petites activités réparties aux 2 semaines, la fréquence. Donc, vous voyez, le 3 février, nous avions le patin disco, le 17, défi château de neige et par la suite... Je ne vois pas le tableau. Le 1er mars, ouais, le 1er exactement, mars. Marche au flambeau. Donc, c'est aux 2 semaines.
Si vous aimez cette nouvelle formule, donc moins gros, mais plus souvent, réparti sur deux semaines ou peut-être sur une plus longue période de temps pour l'hiver, communiquez avec vos conseillers et conseillères pour nous en informer, pour qu'on puisse en discuter lors du comité loisirs, parce qu'on se positionne toujours d'avance l'année précédente sur ce qu'on va faire. Moi, je crois que c'est une bonne formule, parce qu'au lieu de faire un événement, on en fait plusieurs, et c'est des événements diversifiés. Et c'était un engagement aussi de se promener dans la ville puis faire des activités diverses pour faire découvrir nos parcs. Donc, n'hésitez pas à conseiller. Communiquez-moi pas, c'est vraiment vos conseillers et conseillères pour ce niveau-là. Et monsieur le maire, on a eu tout près de 400 personnes au patin disco. 400 personnes, wow! Oui, c'est les derniers chiffres qu'on a eu, donc 400 patineurs et danseurs. Excellent. Et marchands. Au niveau des questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que vous avez un point, monsieur? OK. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Juste vous présenter au micro, vous nommez. Monsieur le maire, bonjour. 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 On a installé un stop, un arrêt, plutôt, oui. Au coin de la rue principale, Carrière. Puis je me pose la question, pourquoi un stop a été installé là? On avait une problématique. En fait, c'est pour répondre à trois problématiques. On avait une problématique au niveau de la traverse, où on avait un grand nombre de plaintes des résidents locaux. Aussi, c'est un arrêt d'autobus, puis l'été, bien, c'est une traverse cyclable et de piétons également. Donc, on avait un enjeu de sécurité à ce niveau-là. On a également un enjeu de gestion de la vitesse pour ceux qui quittaient vers l'est de la ville. Donc, il fallait trouver une solution pour ralentir les gens. Ceux qui rentrent dans la ville ralentissaient naturellement. Ceux qui quittent accéléraient pour une raison que je ne sais pas. Donc, à ce niveau-là, on est venu corriger par... En fait, la communauté voirie s'est positionnée sur la façon la plus simple, la moins dispendieuse pour essayer de régler ces problématiques-là. On est arrivé avec la solution qu'un stop. On voulait pas mettre de dos dans sur une rue principale. On voulait pas réduire la largeur de la rue principale non plus. Donc, c'est le stop qu'on a décidé. On a reçu des félicitations au niveau des résidents locaux, ceux qui habitent à proximité, ceux qui traversent. En fait, on a eu plusieurs communications. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas contents qu'il y ait un stop non plus parce que faut faire un nouveau stop sur la rue principale. Ben, les mais pour riverains immédiats, surtout. Ben, en fait, nous, c'est pas. Vous habitez dans ce. Dans, oui, dans... oui, exact. Okay. Ben, c'est le bruit? Beaucoup de bruit. Ça okay. A engendré énormément de bruit depuis l'arrivée de cet arrêt-là. Là, tout de suite, il y en a beaucoup. On a les fenêtres fermées. Oui. À l'été, avec. Combien de motos qui passent par jour, puis de au niveau des motos, je ne sais pas si vous avez réalisé, mais on a également installé un panneau sonore qui va être activé pour cette... Mais en fait, il n'est pas nécessairement en fonction pour l'instant. Ça va fonctionner, c'est ça? Ah, ça fonctionne très bien à Mornet. Ouais, donc, c'est un essai. C'est un essai qu'on va faire. Mais les gens, quand ils décollent de cet arrêt-là, ils accélèrent, puis ça fait... C'est là le bruit, là, beaucoup, là. Tu sais, quand ils décélèrent en arrivant à l'entrée de la ville, ça va, mais quand ils sortent, justement, vers l'est... Oui. Ça se corse un peu, là. Les camions, les autos avec les bons petits mufflers, là. C'est assez... c'est dérangeant, là. Okay, mais on en prend note. J'ai sondé un peu les gens autour aussi. Moi, je suis aussi. En deuxième ligne. Okay. Je ne suis pas sur la rue principale. Je suis en deuxième ligne. Mais les gens autour, ils sont... Je pense qu'il aurait fallu peut-être sonder un petit peu. On l'a fait, pourtant. Ou peut-être aller sonder les personnes qui restent au coin. Là. Vous l'avez fait? C'est entre autres les citoyens du coin qui nous ont fait la demande là, de faire quelque chose par rapport à du coin immédiat ou plus haut? Non, le coin immédiat et quelques ils vous personnes ont plus aussi. Ça? Puis maintenant, le porte-à-porte, okay. Là, ce qu'on a fait, les gens, pendant le porte-à-porte, Mme Filiatro et moi, il y a eu une problématique de sécurité lorsqu'on était sur les lieux. Ouais. Donc, j'excuse, je vous ai coupé, Mme Filiatro. Non, c'est correct. Bon, en fait, il y a une dame qui a une garderie en milieu familial et sa fille qui est sa voisine immédiate également, là, puis elle nous a exposé plusieurs problèmes, dont, entre autres... Il y a trois garderies dans ce secteur. Oui. Ouais, il y en a une de moins, je crois, là. Je pense qu'il est plus là, sur la rue Carrière. Oui, mais c'est surtout l'enjeu de la traverse, tu sais, si je peux me permettre, Virginie. L'enjeu de la traverse, de la sécuriser. Mm-hmm. Il y a un désagrément au niveau de l'arrêt. Parce que moi, de partir. Dire, moi, ça fait 35 ans que j'habite là. Vous êtes où, exactement? Sur la rue Carrière. 17, juste entre la voie ferrée puis la rue principale. Si okay. Ça fait 35 ans que je suis là. On se promène à pied beaucoup. J'ai jamais eu de problème à traverser là. Puis j'ai jamais eu de problème non plus à tourner ou avec cet arrêt-là. Je le trouve pertinemment beaucoup plus dangereux depuis qu'il y a l'arrêt. Parce que là, on arrête puis il y en a qui passent tout droit. Il y en a plusieurs qui passent tout droit. Là, ça fait, le stop est assez récent. Il y a peut-être une partie que les gens s'accoutument au fait qu'il y a ça. Ça va prendre un moment. Peut-être dans le temps, ça va être mieux. Ça fait que moi, quand j'arrive maintenant,
je fais sûr qu'il y a un eye contact mm-hmm. qui se fait, parce que sinon, s'il passe tout droit, puis moi, je suis en train de passer, ben. Mais voyons, on va regarder comment ça va dans les, avec ouais. les mois, puis avec l'approche de l'été aussi, comment ouais, ça fait beau à l'extérieur. Parce que moi, l'hiver, gars, on a les fenêtres fermées, mais c'est ça. À l'été, on a les fenêtres ouvertes. Exact. Je pense que ça va se corser un petit peu. Là, on verra, on va l'évaluer, puis on ouais, reste toujours bien, disponible à s'adapter. Mais vous voyez, le lendemain de l'adoption du règlement pour installer Stop, j'ai reçu une félicitation d'une personne qui habitait sous carrière aussi. Donc, je pense qu'il y a des gens qui le voulaient et des gens qui ne le veulent pas. Ouais, on va l'évaluer. Peut-être, oui, c'est ça. Bien, moi, c'est surtout pour le bruit. Là. J'en prends note. J'aurais trouvé... Ben, en tout cas, je peux peut-être émettre une idée. Là. Oui. J'aurais peut-être trouvé plus pertinent que cet arrêt-là soit au coin du chemin du Nanny. Parce que souvent, je travaille vers du Nanny. Puis oui. pour ceux qui sont du chemin du Nanny, qui tournent vers l'est, justement, c'est un problème. À la dernière séance, on a adopté une résolution pour demander au ministère. Il faut parler au ministère du transport par résolution ça, ouais. pour revoir l'intersection du Nanny et de la halte 329. Donc, on est conscient de ça. Mais il fallait le traiter comme deux dossiers. OK, c'est ça. Puis aussi, peut-être les panneaux, peut-être faire des petites lumières autour, je ne sais pas, pour qu'ils soient plus visibles. Visible, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver là. Il y en a tellement qui passent tout droit. Là. Je ne sais pas. Non, sur principal plutôt. sur oui, carrière. Coin c'est ça, ouais, principal ouais, carrière. C'est ça, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui passe tout droit, là, vraiment, là, sans. Ils ne l'ont pas vu, là. Puis c'est sûr qu'il y a une période d'ajustement, les gens se sont habitués de pouvoir y aller c'est en ça, ligne droite. Et aussi, les services comme les policiers, les ambulanciers, quand ils arrivent là, c'est aussi, là, à un moment donné, il faut qu'ils activent les sirènes. Ça émet encore plus de bruit. J'imagine les mardis de l'été, là, quand il va y avoir une entrée massive de personnes qui veulent venir au marché aux puces. Ça va sentir l'exhaust. J'imagine que ça aussi être un autre désagrément. Pour ceux qui habitent près, là, je parle, c'est tous des points, peut-être, que je pense qu'il faudrait peut-être que... Bien, qu'on a évalué aussi, là, dans le comité de voirie. Vous mais, en aviez écoutez, parlé? Ben oui, on en a parlé, absolument. Puis on a regardé d'autres technologies aussi qui auraient pu être faites. C'est sûr qu'on aurait pu mettre une lumière aussi, on aurait pu mettre autre chose. Il y a de l'investissement toujours. Donc, la solution la plus rapide pour protéger la traverse, c'était un stop. Stop, ça se retire rapidement ou non. Donc là, c'est reste à évaluer. C'est un nouveau changement. Ouais, c'est ça, ouais, mais tu sais, on veut voir comment ça fonctionne sur les quatre saisons également. Là, la projetabilité, comme je vous dis, on va voir... C'est le résultat. On va sonder. Les élus, on est souvent sur le terrain pour aller voir les gens lorsqu'il y a des changements. J'apprécie votre réponse. Absolument. On va faire du porte-à-porte. On va aller vous le consulter. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Est-ce que j'ai une autre question dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Jean-Marc Filion. J'habite le 11-19, la rue du Cardinal, dans le projet des Colibris. OK. Nouveau résident de la chute. Ma question est pour le pavage des rues. Oui. Okay. Quand j'ai négocié avec M. Deschambault, Mme Paquette, au début du printemps 2023, on m'a dit, écoute, la rue, pas de problème, ça va se faire à l'automne, en réalité. OK. À l'automne, la rue, c'est pas fait. J'ai parlé avec Martin, je l'appelle Martin parce qu'on se parle souvent. Là. Je parlais avec Martin me dit, écoute, incessamment, là, on dit. Je l'ai vu encore la semaine passée, mais il me dit, écoute, on est encore en soumission, là. J'ai l'impression que Martin, puis je lui ai dit, il n'est pas empressé de faire la rue, en fin de compte, OK? À l'heure actuelle, la rue est assez désagréable, OK? C'est avec le dégel et tout, c'est des trous, c'est surtout la boue qu'on rentre dans la maison, qu'on les balcons, les escaliers, c'est vraiment, vraiment désagréable, en fin de compte. Ma question est, quel est le règlement, comment vous fonctionnez avec la ville, avec l'entrepreneur? J'ai été longtemps à Mirabel, et à Mirabel, il y a 4 ou 5 ans, le pavage, les bordures de ciment, les trottoirs, ces choses-là, dans un nouveau règlement, ont été transférées entièrement à les responsabilités de l'entrepreneur. Fait que quand l'entrepreneur arrivait dans un projet, il y avait un délai X, puis il devait le faire de bout en bout, la ville n'avait plus aucun frais à payer, c'était entièrement... Ici, à la chute, vous fonctionnez comment pour le... Pour ce type de projet-là, l'entente promoteur est quoi? L'entente promoteur dans un
projets comme ça, on est comme à Mirabel. Donc, ça fait plusieurs années, nous aussi, que la charge est à l'ensemble, est au promoteur à 100 %. Il y a un délai pour construire. Il y a aussi, tu es obligé de mettre un dépôt de soumission de garantie. Donc, c'est ce qui nous permet de mettre une pression là, pour que l'entrepreneur puisse réaliser ses travaux. Il y a, par contre, il y a tout l'enjeu du nombre de constructions puis des entrées de services à faire. Là. Donc, il y a toujours une séquence à faire, mais on fait un suivi sur ces projets-là pour que le délai soit le plus court possible pour les résidents, là, bien entendu. Cette rue-là est une boucle, OK? Oui. Il y a la moitié est pavée, il y a une moitié qui n'est pas pavée. La moitié qui n'est pas pavée, j'ai compté, on est à peu près une vingtaine de résidents. Il lui reste deux excavations à faire, deux solages. Les entrées d'eau sont faites, tout est fait, les bonhommes sont là, tout est là, ces choses-là, en fin de compte. D'après vous, à l'état des travaux, il y aurait jusqu'à quand pour le faire, ou d'après vous... J'ai pas la réponse. Okay, l'autre question, c'est, peux-tu me retarder ça à l'automne l'année prochaine ou en 2025? Honnêtement, à l'heure actuelle, comme j'ai pas le dossier, je pourrais pas vous répondre comme ça, mais on va vous trouver la réponse. On va communiquer avec vous. Je vais m'assurer d'avoir la réponse pour qu'on puisse communiquer avec vous pour vous donner la réponse des délais qu'on anticipe et c'est quoi les possibilités là-dedans. C'est presque devenu un centre de personnes âgées, cette rue-là. La plupart de mes nouveaux voisins sont des gens poivre et sel comme moi, là, des retraités ou ces choses-là. Puis c'est ça, j'ai dit à ces gens-là, bien, écoutez, je vais me déplacer, parce qu'on se pose souvent la question, je vais me déplacer à l'hôtel de ville, puis je vais aller chercher la réponse pour vous, en fin de compte. Fait que la réponse que vous allez me transmettre, je vais la transmettre à au moins une dizaine de résidents alentours, ça va répondre à la question. Donc, avant de quitter, juste donner vos coordonnées à M. André Primeau qui est ici, juste au bout. D'accord. Pour pouvoir vous contacter. Bien, merci. Bien, merci à vous. Bonne bienvenue à La Chute. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Au point 7, administration générale. Donc, nous avons 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, octroi de contributions financières. Donc, que le conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants, à même le poste de frais de représentation législation. Donc, nous avons le montant de 375 $ plus taxes à la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil pour l'achat de 3 billets, donc d'une valeur de 125 $ par billet plus taxes, dans le cadre de la soirée Gala Excellence qui se tiendra le 17 février 2024 à la Polyvalente Lavigne, et je tiens à mentionner que nous avons déjà un crédit de 250 $ plus taxes de la Chambre de commerce que nous allons appliquer sur l'achat de ces billets-là. Ensuite, de 1 240 $ taxes incluses à la Fondation de l'Hôpital d'Argenteuil pour l'achat de 8 billets d'une valeur de 155 $ par billet, taxes incluses, dans le cadre du souper bénéfice qui se tiendra le 20 mars 2024 au restaurant Bouillon 16. Et finalement, à même le poste commandite, nous avons 250 $ au club de patinage artistique de La Chute pour l'achat d'une publicité dans le programme de leur revue annuelle. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux bien faire la proposition, monsieur. Madame Filiato et monsieur Larose appuient? Oui, voilà. Parfait. Tout le monde d'accord? Mm-hmm. Oui. Au point 8.1, compte à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation. Approbation des listes des comptes à payer en date du 5 février 2024. Alors que les comptes à payer soit approuvé tel que présenté pour les montants de 1 693 919 et 49 sous et de 391 757 et 24 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'avais la proposition. Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Cire Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au point 10, réglementation. Donc, au 10.1, dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue les 30 et 31 janvier 2024 concernant le règlement 2024-870. Donc, si nous n'avons reçu aucune demande, en conséquence, le règlement numéro 2024-870 est réputé approuvé. C'est un dépôt. Au 10.2, dépôt du certificat quant à la procédure d'enregistrement tenue le 30 et 31 janvier 2024 concernant le règlement 2024-872. Et encore une fois, nous avons, en fait, ici c'est pour la réfection de la rue Watson, nous avons reçu aucune demande, alors encore une fois, le règlement est réputé approuvé. C'est un dépôt. Au 10.3, adoption du règlement modifiant le règlement numéro 2005-643 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville
prévoir les nouvelles cotisations salariales patronales à la caisse de retraite des pompiers, donc ici en lien directement avec la première convention collective que nous avons signée entre la Ville de la Chute et l'Association des pompiers et des pompières de la Ville de la Chute, évidemment. Donc, on est encore dans le changement de structure. Vous allez voir, il y a encore d'autres résolutions qui vont être adoptées ce soir pour l'intégration et le changement organisationnel. Ici, c'est tout simplement une adoption pour le régime de retraite. Donc, que le conseil, que le règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 2005-643 concernant le régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de la Chute afin de prévoir les nouvelles cotisations salariales et patronales à la caisse de retraite des pompiers soit adopté sous le numéro 2024-643-9 ». Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame M. Desforges, et pour appuyer? Je vais appuyer, Monsieur le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. 10.4, adoption d'un règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de réfection des panneaux de contrôle et d'équipements ponctuels des stations de pompage sanitaire SP1, SPSGL, SP2, SPDéboulot. Madame M. Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant que les dépenses prévues au présent règlement concernant des travaux de réfection des panneaux de contrôle et d'équipements ponctuels des stations de pompage sanitaire, SP-1, SP-SGL, SP-2 et SP-Déboulot, considérant l'action 65, c'est d'investir dans l'entretien et la prévention de nos équipements et infrastructures, notamment dans un contexte de changement climatique, du plan stratégique 2019-2025, adopté le 4 mars 2019, considérant les projets inscrits au PTI 2024-25-26 sous les numéros 23809 et 23810, considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 15 janvier 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la présente séance. Alors, je propose que le règlement intitulé « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 300 000 $ pour des travaux de réfection des panneaux de contrôle et d'équipements ponctuels des stations de pompage sanitaire SP-1, SP-SGL, SP-2 et SP-Déboulot soient adoptés. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Cire Desforges. Et pour appuyer? Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, adoption du règlement amendant le plan d'urbanisme révisé 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Mme Cire Desforges. Alors, considérant l'avis de motion donné aux fins des présentes le 15 janvier 2024, et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement, considérant la consultation publique tenue le 5 février 2024, telle que prévue par l'avis public publié sur le site Web de la Ville de la Chute le 19 janvier 2024, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance d'adoption du présent règlement, je propose que le règlement intitulé « Règlement amendant le plan d'urbanisme revisé numéro 2018-737-6 afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement » révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil, numéro 68-20-18, soit adopté. Merci. Donc, proposé par Mme Cire Desforges, j'ai pour appuyer. Je peux appuyer, Monsieur. Mme Pilliatro. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.6, adoption du règlement amendant le règlement sur les appels... Sur l'application, pardon, des parce que j'ai pas le mot complet, sur les applications des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Madame Desforges, Cire Desforges, pardon. Alors, considérant l'avis de motion donné aux fins des présentes le 15 janvier 2024 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement,
considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance d'adoption du présent règlement, je propose que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement sur l'application des règlements d'urbanisme » numéro 2013-738, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil, numéro 68-20-18, soit adopté. Merci. Donc, encore une fois, proposé par Mme Cyr Desforges. Pour appui. Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, adoption du règlement amendant le règlement relatif au PIA numéro 2013-742, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Mme Cyr Desforges. Considérant l'avis de motion donné aux fins des présentes le 15 janvier 2024 et la présentation, le dépôt et l'adoption fait lors de cette même séance du texte de ce projet de règlement, considérant la consultation publique tenue le 5 février 2024, telle que prévue par l'avis public publié sur le site Web de la Ville de la Chute le 19 janvier 2024, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal 72 heures préalablement à la séance d'adoption du présent règlement, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance d'adoption du présent règlement, je propose que le règlement intitulé « Règlement amendant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 2013-742 » afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18 soit adopté. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appui? Je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.8, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage C4 commerce personnel professionnel dans la zone CA-410. Donc, au 10.8.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. Ici, c'est en lien avec le point 3.1 de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, les consultations publiques qu'on a présentées en début de séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Lajoie, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.9, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure, mais uniquement divertissement, dans la zone CA-202. Donc, encore une fois, ici, c'est en lien avec le point 3.2 du début de la séance. Donc, au point 10.9.1, j'ai une adoption d'un second projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.10, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'assurer la concordance au schéma d'aménagement révisé suite à l'entrée en vigueur du règlement de la MRC d'Argenteuil numéro 68-20-18. Donc, au 10.10.1, j'ai l'adoption d'un second projet de règlement. C'est en lien avec le point 3.4 de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Filiatro est pour appuyer. Et je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.11, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'agrandir la zone HP-224 à même une partie de la zone HA-231, afin d'inclure le lot 2,624,784 du cadastre du Québec. Donc, au 10.11.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner mon nom pour l'avis de motion. Monsieur David. Et au 10.11.2, c'est le dépôt et l'adoption d'un projet de règlement. Juste pour vous tenir au courant, ici, c'est le 292 rue Princesse. Donc, on voit l'ajustement ici à la carte. On voit un petit point rouge qui est ajouté à la zone, tout simplement. C'est pour venir réglementer. En fait, on avait une problématique. Monsieur Gravel, pouvez-vous peut-être brièvement expliquer la problématique qu'on avait pour ce point-là? Oui, on l'avait. Non, en fait, c'était pour régulariser. Dans le fond, dans une zone, la construction qu'il y avait, l'agrandissement qu'il y avait pour le bâtiment, si je me souviens bien, n'était pas zoné en conséquence. Donc, on vient se coller sur la zone existante, la zone voisine qui avait cette zone-là, qui tolérait ce type de construction-là. Donc, tout ce qu'on fait, c'est ajouter juste l'agrandissement, le petit point rouge que vous voyez à l'écran ici dans la salle et à l'écran à la maison, simplement pour régulariser. Donc, on ne vient pas changer le secteur au complet.
pour se conformer, on vient tout simplement allonger la zone légèrement. Désolé, je pensais que vous aviez plus... Mais vous avez donné la bonne réponse. Ouais. Merci. Donc, pour le dépôt et adoption d'un projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? J'ai fait la proposition. Monsieur Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.12, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure, mais uniquement les bingos avec bars et restaurants comme usage complémentaire dans la zone CA-209. Au 10.12.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom. Mme Cyr Desforges. Au 10.12.2, avant de l'expliquer pour faire le je vais l'expliquer avant de faire le dépôt et adoption d'un projet de règlement. Ici, c'est le déménagement du bingo. Donc, vous savez, le bingo est actuellement au centre d'achat. Eh bien, les propriétaires ont acquis, il y a plusieurs années, je crois, l'ancien Patrick Morin qui est sur la rue principale. Donc, ici, c'est tout simplement pour permettre que la salle de bingo soit déménagée à cet endroit-là. Et on vient réglementer pour que l'utilisation du bar et du restaurant soit un usage complémentaire au bingo uniquement. Donc, il n'y a pas une autre deuxième salle de divertissement qui pourrait s'ouvrir à proximité ou dans la même zone. Vous savez, on le dit souvent, ce n'est pas une dérogation. Donc, lorsqu'on dézone ou on permet dans une zone, on doit permettre pour la zone au complet, ce que vous voyez ici qui est surligné en vert. Donc, pour éviter de l'échapper à avoir plusieurs, avoir un bar ou tout simplement avoir d'autres restaurations sans qu'on ait un certain contrôle dans cette zone-là, on vient associer l'usage en complémentarité au bingo seulement. Alors, au 10.12.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un proposeur. Je vais en faire la proposition, monsieur. Monsieur Lajoie, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.13, règlement modifiant le règlement pourvoyant à l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières et à l'imposition de compensation pour la fourniture de services municipaux pour les fins de l'exercice financier 2024. Donc, si je vais prendre quelques minutes pour l'expliquer. Il y a eu une erreur de bonne foi dans le budget 2024. Donc, le conseil municipal s'est engagé avec l'administration à vous offrir une hausse limitée à 2,88% pour ceux qui n'ont pas de piscine. Et considérant que le traitement d'eau est un peu plus dispendieux avec les produits chimiques, et bien ceux qui ont des piscines, vous avez une hausse de 3%. Il y a eu une erreur au niveau du taux du service de la dette lorsqu'on a eu l'impression et l'enregistrement du compte de taxes 2024. Pour honorer, il est très, très important pour nous de le faire en toute transparence, pour honorer nos engagements du 2,88 et du 3, eh bien, on vient appliquer un crédit sur chaque compte de taxe pour nous assurer que la hausse soit limitée telle que nous l'avons annoncé. Donc, c'est pour ça qu'on doit venir réadopter le budget ainsi au point 10.13. Et vous voyez ici à l'écran les impacts. Donc, pour un résidentiel, on voit ici résiduel, mais c'est le terme qu'on utilise pour résidentiel, vous allez obtenir un crédit sur votre compte de taxe, et je vais expliquer comment par la suite, de 15 $. Pour les 6 logements ou plus, de 10 $. Immeuble non résidentiel, 37 $, et on travaille encore sur des moyennes, je tiens à le rappeler. Immeuble industriel, 98 $. Terrain vague desservi, de 6 $. Et finalement, exploitation agricole enregistrée, de 5 $. La façon qu'on va procéder avant que j'explique le changement de taux, eh bien, c'est suite à une validation à l'interne lors de l'impression du premier compte de taxe, Constant que le compte de taxe était disponible en ligne, eh bien, on a fait des validations juridiques et auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, on ne pouvait pas tout simplement corriger le compte de taxe existant parce qu'il était public. Donc, ce qu'on doit faire, c'est réimprimer un deuxième compte de taxe avec le crédit. Alors là, ce que vous allez recevoir à la maison dans les prochaines semaines, la semaine prochaine ou la semaine suivante, c'est deux comptes de taxe dans la même envoi avec une note explicative. Donc, le premier compte de taxe, c'est le compte, je ne veux pas utiliser erroné, mais c'est le compte avec les chiffres qui sont faux au niveau du service de la dette. Et par la suite, au niveau du deuxième compte de taxe que vous allez recevoir, c'est votre crédit. Le crédit est applicable dès le premier versement. Donc, dès le premier versement, vous faites le versement qui est indiqué moins la valeur qui va être indiquée à votre crédit, tout simplement. Donc, on était capable de corriger la situation avant l'envoi. Donc, il n'y a absolument aucune conséquence auprès des citoyens. Vous ne payez pas plus cher de ce qui a été annoncé. Je tiens à vous rassurer. Donc, heureusement, on a travaillé avec l'administration et les politiques ensemble pour faire les validations et corriger le tout avant l'envoi. Donc, il n'y a aucun impact auprès des citoyens, des commerces et de l'industriel. Donc, l'erreur qui a été corrigée, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. Service de la dette, c'est le paiement des emprunts. Vous savez, on fait des investissements en infrastructure, on doit emprunter avec des règlements d'emprunt. C'est une dette que la municipalité a. Bien, le paiement, cette dette-là, s'appelle service de la dette. Donc, c'est des taux. Le taux, c'est un taux que vous voyez ici en dessous par 100 $ d'évaluation de votre base foncière. Donc, votre maison vaut
un certain montant sur votre compte de taxe. C'est une évaluation qui est faite selon le rôle triennal. Eh bien, on applique ce taux-là par 100 $ de base foncière. Donc, au niveau de l'urbain, ce qui était affiché dans la présentation en décembre, c'était le taux de 25 à 75 sous. Nous l'avons baissé à 251 sous, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. Pardon, c'est parce que j'avais les mauvaises notes ici. Donc, c'est une baisse à chaque fois. On vient ajouter à la baisse nos taux de service à tête. Au semi-urbain, c'était 0,2222. Ici, nous avons 0,2157. Au rural, c'était initialement 0,1813. Nous avons ajouté à la baisse à 0,1748. Et finalement, au niveau d'Annexion Saint-Jérusalem, nous avions 0,1813. Eh bien, nous avons ajouté à la baisse une fois plus à 0,1748. Donc, c'est pourquoi on procède ainsi. Et c'est pourquoi vous allez voir, pour, de façon très exceptionnelle, un crédit appliqué à votre compte de taxe. Donc, au 10.13.1, j'ai besoin d'un nom pour le dépôt de l'avis de motion. Je peux donner mon nom. Mme Filato. Au 10.13.2, dépôt d'un projet de règlement. Et j'ai besoin d'un autre nom pour le dépôt. Je peux donner mon nom pour le dépôt. Monsieur David. Ressources humaines. 11.1, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour divers services. Donc ici, nous avons Mme Stéphanie André Quiollet, qui sera employée temporaire brigadière suppléante. Donc, bienvenue dans l'équipe. C'est un dépôt. Au 11.2, dépôt du rapport au service du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service de la sécurité incendie. Donc, on souhaite la bienvenue à également Mme Stéphanie André Quiollet, employée temporaire brigadière suppléante. Au 11.3, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire pour les services des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, on souhaite la bienvenue à Mme Carole Proux, employée temporaire préposée au prêt. Au 11.4, renouvellement du contrat de travail de M. Gilles Neveu à titre de chargé de projet temporaire. M. David. C'est le fameux moment où vous pouvez prendre un verre d'eau, M. le maire. Renouvellement du contrat de travail de M. Gilles Neveu. Donc, considérant que son contrat de travail était d'une durée déterminée, soit du 7 février au 22 décembre 2023, et considérant que la Ville désire poursuivre les dossiers particuliers en cours, donc il est proposé que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur des services le directeur service des ressources humaines et des technologies de l'information a renouvelé et a signé le contrat de travail de M. Gilles Neveu à titre de chargé de projet temporaire, tel que présenté substantiellement par le DG. Merci. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 11.5, autorisation de signer un contrat de travail d'employé actuel. Donc ici, c'est suite à l'entente intermunicipale que nous avons adoptée à la dernière séance pour la gestion du traitement de l'eau potable et du traitement de la gestion des eaux usées entre la municipalité de la Ville de la Chute et la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil. Donc une modification doit être apportée au contrat de travail de l'employé pour ajouter une clause faisant référence à l'entente intermunicipale, tout simplement. C'est tout ce qu'on fait. Alors que la modification apportée au contrat de travail soit effective en date du 1er janvier 2024, et que le conseil municipal autorise le directeur général et le directeur du service des ressources humaines et de technologies de l'information à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de la Chute et le chef de division traitement des eaux. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Même Sire Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Nous avons retiré le point 11.6, donc au 11.7. Nomination au poste de pompier à temps régulier. Changement de statut. Je pense que c'est M. David que vous l'aviez. Effectivement. Donc, on en a parlé lors des dernières séances. Donc, pour poursuivre vers l'instauration de la nouvelle structure organisationnelle au service des incendies à la suite de la signature de la convention collective et aussi considérant qu'il y avait 6 vacances de postes de pompiers à temps plein. Donc, ici, il est proposé que le conseil municipal nomme M. David Charbonneau, Jonathan Daigneault, Vincent Patnaud-Villot, Carl Tremblay, Guillaume Pomerleau et Vincent Dubord, pompiers à temps régulier à compter du 18 février 2024. Également que le conseil municipal autorise le changement de statut de pompier à temps partiel à pompier à temps plein régulier
de messieurs David Charbonneau, Jonathan Daigneault, Vincent Patenaud-Villot, Carl Tremblay, Guillaume Pomerleau et Vincent Dubord, en vertu des termes et des conditions définies par la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et l'Association des pompiers et pompières de la Chute. Alors, félicitations, messieurs. Oui, félicitations. Merci, monsieur David, pour la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais appuyer. Un petit effort. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 11.8, nomination au poste de brigadier, nouvel employé. Monsieur David. Alors, on est toujours content d'améliorer l'effectif au niveau de la sécurité, hein? Oui. Surtout des tout-petits. Alors, considérant qu'il y avait un poste vacant de brigadier à la suite du départ à la retraite d'un des titulaires du poste, et aussi qu'il n'y a pas d'autres employés intéressés à ce poste régulier sur la liste de suppléances nécessitant de procéder à un recrutement externe. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Michèle Desrosiers, employée Colbieu régulier à l'essai en vertu des termes et des conditions définies par la convention collective, et que le conseil municipal autorise le changement de statut d'employé temporaire à un statut d'employé régulier de brigadière de Mme, donc Michèle Desrosiers, lorsque celle-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines, des technologies de l'information et du directeur des services de la sécurité d'incendie. Merci. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je peux l'appuyer, M. le maire. Mme Pilato, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Travaux publics et génie. Donc, au 12.1, contrat de soutien au logiciel, progiciel et application pour le service des travaux publics, division traitement des eaux. Donc, ça le dit ici dans le titre, le logiciel est utilisé pour le service des travaux publics, division traitement des eaux. On le fait pour d'autres départements également. C'est tout simplement, nous avons besoin d'un contrat pour le soutien informatique. C'est des logiciels qui demandent beaucoup En fait, c'est de la maintenance préventive et les mises à jour et tout. Donc, le conseil municipal autorise le paiement des factures pour le contrat d'entretien et de soutien au logiciel, progiciel et application pour le traitement du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 à Simsoft Corporation pour un montant de 37 255 $, taxes en sus. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, est pour appuyer? Je vais appuyer. Madame Thire-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Aucun point pour la sécurité publique et incendie. Donc, urbaniste, 14.1, dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de décembre 2023. Donc, un mois très tranquille au niveau des permis de construction. Vous voyez ici à l'écran, nous avions une demande. Donc, une demande de construction unifamiliale pour une valeur de 300 000 $. Au niveau des permis de transformation, de réparation ou de rajout, nous avons eu deux demandes pour une valeur de 280 000 $ pour tout ce qui était 50 000 $ et plus. Et 10 demandes pour une valeur de 118 550 $ pour les moins de 50 000 qui nous amène un sous-total pour le permis de transformation, de réparation ou de rajout à une valeur de 398 000 $ pour un grand total de décembre 2023 à 13 demandes pour un total de 698 550 $. Si on compare au mois de décembre 2022, eh bien nous avions eu 20 demandes pour un total de 1,6 million. Donc, assez différent de l'année 2022. Considérant que c'est le dernier mois, je pourrais vous parler du cumulatif. Donc, cumulatif 2023 versus 2022, vous l'avez également à l'écran, juste un peu plus bas. Donc, le nombre de demandes a diminué de 7,10% et le nombre de valeurs de permis de 4,11%. C'est quand même pas si pire, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un ralentissement, il y a une inflexion de la courbe, un ralentissement au niveau des demandes, pas mal dans l'ensemble des Laurentides et au Québec, suite au boom démographique qu'il y a eu suite à la pandémie. Donc, il y a eu nous avons une grande demande de construction suite à la pandémie que nous avons dû gérer. Vous allez voir, il y a eu des chiffres ici que je vais vous présenter. Mais par la suite, on s'attendait à une diminution beaucoup plus drastique, je pourrais vous dire. Bien, à la fin de l'année, on a quand même fini avec une valeur totale de 38,7 millions de $ pour 104 demandes totales au niveau des permis de construction, ce qui est relativement bien pour l'année 2023. Et vous avez sûrement vu derrière la nouvelle hôtel et à quelques places, nous avons déjà des nouvelles constructions qui sont en cours de construction, je devrais dire. Moi, je me suis répété deux fois. Hein? En cours de construction. Pour vous donner un petit aperçu, statistique que je veux vous présenter. On a souvent le commentaire, puis je l'avais dit en mi-année, puis je tiens à le rappeler en fin d'année. On a souvent le commentaire de « on appelle » et c'est de plus en plus long, ou des fois, j'ai pas eu la réponse que je veux. Et on a travaillé très fort avec le service de l'urbaniste, le directeur en place, pour améliorer ce processus-là. Mais je veux juste vous mettre en lumière le nombre d'appels que le département doit recevoir par année. Donc, si on regarde le cumulatif 2023, en fait, je vais vous emmener en 2022. Cumulatif 2022,
total des appels reçus, nous avions en 2022 9805 appels. En 2023, un an après, 13497 appels, c'est une augmentation de 40%, de près de 40% en nombre d'appels. Donc, c'est pour ça que le département a une pression. Oui, moins de construction, moins de demandes, des projets peut-être immobiliers un peu plus gros, on a eu l'hôtel et tout, mais il y a énormément de demandes qui entrent à la municipalité. Il y a énormément de questions. Et juste pour encore une fois peut-être vous mettre en lumière, vous avez accès à toute l'information qui est présentée à l'écran. Bien, le temps d'appel par appel a diminué. Donc, plus d'appels, mais des appels plus courts. C'est souvent des demandes d'informations. Mais je tiens à vous dire qu'il y a beaucoup d'informations qui est déjà disponible, que ce soit ici à l'entrée de l'hôtel de ville. Si vous rentrez, vous tournez à gauche, il y a un petit bureau avec un employé pour aider les gens avec leurs demandes d'urbanisme. Et il y a des formulaires présents. Mais il y a aussi beaucoup d'informations qui sont disponibles en ligne. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller chercher l'information avant, bâtir vos dossiers et par la suite le présenter à l'urbaniste. Parce que c'est facile, oui, nous aussi, des fois, on se questionne pourquoi c'est plus long, pourquoi telle demande a pris 2 semaines. Mais souvent, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais souvent, les dossiers sont soit pas montés de façon adéquate ou il manque des informations. Donc ça nécessite beaucoup d'aller-retour avec les employés, ce qui augmente le nombre d'appels et aussi la frustration, on s'entend. Donc lorsqu'on demande par exemple une dérogation pour un cabanon, on veut s'approcher d'une ligne, s'il faut revenir 3 fois avec l'urbaniste, bien c'est un personnel, c'est des ressources qu'on n'a pas nécessairement. On a des ressources limitées, donc on ne peut pas embaucher qui qu'on veut, on ne peut pas avoir un département d'urbanisme à 20-30 personnes. Malheureusement, on est limité à 7 urbanistes. Bien, on est limité avec ces ressources-là. Et si vous êtes dans l'obligation de contacter l'urbaniste à plusieurs reprises, mais de toute évidence, votre projet bien, il va prendre 2 mois à être réalisé. Donc, je voulais juste mettre ça en lumière parce qu'on arrive à la fin de l'année et l'augmentation de 40% m'a marqué personnellement. Donc, c'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme, tenu le 24 janvier 2024. Mme Cédé-Forge. Merci. Alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, incluse au procès-verbal de la séance régulière tenue le 24 janvier 2024, considérant les demandes de dérogation mineure pour le boulevard de l'Aréoparc et pour la rue Lafleur, considérant les demandes d'approbation de PIA pour le 379 rue Lafleur, pour le 527 rue principale et pour le 48 chemin Richard Tap, considérant la demande de modification au règlement de zonage pour le 304 rue Grasse, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 24 janvier 2024. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Cédé-Forge. J'ai pour appui. Je vais l'appuyer, Monsieur. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Je viens de recevoir un texto si j'ai dit qu'il y avait 7 urbanistes dans le département. C'est 7 employés dans le département. On n'a pas 7 urbanistes. Merci aux citoyens qui viennent me corriger. Au 14.3, dépôt du procès-verbal de la consultation publique tenue le 29 novembre 2023 relativement au projet de PPC Moi au 660 rue principale. Donc, c'est un dépôt. Au 14.4, adoption du deuxième projet de résolution concernant le règlement numéro 2015-768 sur les PPC Moi, zone HA-313, lot 3 039335 et 3 039339 et une partie du lot 3 039271 au 660 rue principale. Donc, suite à la consultation publique, on a travaillé avec le comité d'urbanisme et de développement. Le département d'urbanisme a également travaillé avec le promoteur pour apporter les corrections que nous avons reçues, des demandes que nous avons reçues lors de la consultation publique. Donc, si je le rappelle, c'est de la construction d'un projet immobilier comprenant 3 bâtiments résidentiels multilogements et un bâtiment résidentiel quadrifamilial totalisant 8 logements pour l'ensemble du projet. Les modifications demandées étaient notamment d'élargir l'allée d'accès du projet intégré au bout de la rue Chevrier à 7 mètres, donc pour faciliter l'accès et l'entrée. Prolonger la voie d'accès d'une largeur de 4 mètres sur la rue principale de manière à connecter celle-ci au bout de la rue Chevrier et avoir des cases de stationnement d'une profondeur de 6 mètres le long de la voie d'accès qui a 4 mètres de largeur, donc c'est pour éviter qu'il y a des enjeux au niveau de l'entrée, parce que ce qu'on a demandé également, c'est d'avoir un accès, une entrée de la rue principale. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Fiato, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Au
Au 14.5, remerciement à M. Robert Legault. Donc, Mme Sire Desforges. Merci. Alors, considérant la disposition de l'article du règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme, considérant que M. Robert Legault a siégé au sein du comité d'urbanisme du 5 juillet 2010 à ce jour, considérant la présence assidue et l'implication de M. Legault depuis, puisqu'il a été nommé au comité, je propose que les membres du conseil municipal remercient M. Robert Legault pour son implication lors des mandats qui lui ont été confiés au sein du comité consultatif d'urbanisme. Son apport aux discussions et recommandations du comité relativement à diverses questions d'urbanisme a été très apprécié. Oui, effectivement. Donc, merci Mme Sire Desforges pour la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.6, nomination de membres du comité consultatif d'urbanisme. Mme Sire Desforges. Considérant que le siège numéro 1 de M. Kevin Le Cavalier doit être prolongé d'un an, considérant que le siège numéro 2 de M. Robert Legault et de substitut de M. René Tachereau doivent être renouvelés, considérant que M. Robert Legault a siégé plus de deux mandats au sein du comité, considérant la disposition de l'article du règlement concernant le comité, considérant que M. René Tachereau est toujours intéressé à poursuivre au sein du comité, je propose que le conseil municipal prolonge le mandat de M. Kevin Le Cavalier au siège numéro 1 pour une période d'un an, que le conseil municipal nomme M. René Tachereau au siège numéro 2 pour une période de 2 ans. Merci. Donc, proposé par Mme Sire Desforges. J'ai pour appui. Je vais appuyer. M. David. M. David est plus vite que vous, M. Larose. M. David, est-ce que vous avez un point à ajouter pour le comité consultatif d'urbanisme? Donc, on est à 14.6, hein? Non, c'est juste pour l'annonce. Non, c'est juste pour l'annonce, oui. OK, parfait. Bien, il n'y a pas encore d'annonce de fait, mais les mises en candidature plutôt là, qui ont été faites, l'annonce a été faite sur le site de la Ville. Donc, si vous avez un intérêt, puis je sais que vous êtes plusieurs, pas juste dans la salle ici, là, les gens qui s'intéressent à l'urbanisme et au développement futur de la Ville, mais si vous avez un intérêt au développement du futur de la Ville, si vous voulez venir travailler avec nous, avec Mme Sire Desforges, puis moi, avec l'urbanisme, la belle équipe de l'urbanisme au CCU, réfléchir sur le futur de la ville, puis faire des belles recommandations, parce qu'on a le pouvoir de faire des recommandations au conseil ici. Allez sur le site, lachute.ca, allez voir les différentes conditions, et puis présentez votre candidature. C'est ouvert à tout le monde, et puis on a bien hâte de voir les candidatures, puis travailler avec vous. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. Au 14.7, abordons des procédures concernant l'amendement du règlement de zonage 2013-739 afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure, mais uniquement bingo dans la zone CA-209. Ici, c'est en lien avec le déménagement du bingo. On a adopté une résolution, mais il y avait une petite erreur, une coquille qui s'était glissée dans la première résolution. Donc, on vient abandonner cette procédure-là et nous avons adopté la bonne, plutôt ça. En soirée. Alors que le conseil municipal abandonne les procédures du règlement d'intitulé règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de permettre l'usage C10 commerce de récréation intérieure, mais uniquement bingo dans la zone CA-209. Est-ce que je suis un proposeur? Je peux faire la proposition, monsieur. Madame Viato, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 15.1, autorisation de signature d'une entente avec la municipalité du canton de Gore concernant la fourniture de services de Canjo pour l'année 2024. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant le souhait de la Ville de Lachute d'obtenir une entente avec les municipalités de la MRC d'Argenteuil afin de convenir de la couverture de certains frais reliés à l'accueil des non-résidents au camp de jour, considérant la volonté de la municipalité du canton de Gore d'offrir à ses citoyens la possibilité de profiter du service de camp de jour organisé par la Ville de Lachute, et considérant que ces services incluent le camp de jour de la relâche scolaire, le camp de jour régulier, ainsi que l'intégration au camp de jour avec accompagnement pour les jeunes ayant des besoins particuliers. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le maire et la greffière à signer l'entente de fourniture de services de camp de jour de la Ville de Lachute avec la municipalité du canton de Gore pour et au nom de la Ville de Lachute pour l'année 2024, et que le conseil municipal mandate le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour assurer le suivi de cette dite entente. Merci. Donc, proposé par M. Lajoie. Pour appui? Je vais appuyer. Mme Sire Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Fait deux fois, M. Larose. C'était trop vite. Affaires diverses. 16.1.
Suspension sans ça d'un employé col bleu. Donc, considérant la suspension avec traitement de l'employé 55000537 par le directeur général le 24 janvier 2024, considérant le rapport fait par le directeur général au conseil municipal le 29 janvier 2024, considérant les conclusions de l'enquête interne menant à l'imposition d'une sanction disciplinaire, considérant la recommandation du directeur service des travaux publics et du directeur des services des ressources humaines et des technologies de l'information, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal entérine la suspension avec traitement du direct... Sans traitement. Ma résolution n'est pas... Parfait. Désolé. Alors, que le conseil municipal entérine la suspension avec traitement du directeur général le 24 janvier 2024, que le conseil municipal impose, suite aux conclusions de l'enquête interne, une suspension sans traitement d'une durée de 2 semaines à l'employé 55000537 et autorise le directeur service des ressources humaines et des technologies de l'information à procéder à l'application de cette sanction. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Madame Sirdefort, j'ai pour appui. Moi, je vais appuyer. Madame Filiatro, tout le monde d'accord? Oui. Deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Donc, avant la levée de la séance, j'aimerais vous informer que nous avons une séance extraordinaire prévue ce mercredi 7 février à 17h. Les points, eh bien, c'est les changements apportés au budget qu'on a présenté. Donc, on a déposé la motion. On a déposé également juste un dépôt de premier projet de règlement. On vient confirmer le tout ce mercredi, le 7 février à 17h. Donc, évidemment, la séance extraordinaire sera diffusée sur notre site Internet, notre page YouTube également, et vous êtes de toute évidence la bienvenue de venir assister à cette séance extraordinaire ici même à la salle de conseil. Alors, pour la levée de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose, pour appuyer. Voulez-vous l'appuyer aussi? Non? Je vais l'appuyer. Monsieur Lajoie, merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.